Réussir son expérience en refuge. Limiter son impact environnemental. Refuge du lac, 2100 mètres d'altitude. Tout le monde dort à point fait. Ah, tiens, non. Vincent a besoin de recharger son portable. Il sait pourtant que les refuges sont construits sur des sites isolés. L'énergie est souvent produite sur place. Il faut l'économiser. Et parfois, renoncer à l'idée de brancher son téléphone. La lumière ? Voilà. Première lueur du jour. Déjà, Kevin, qui dormait sous tente, range ses affaires. Le bivouac devant être démonté un peu après le lever du soleil. Nos aventuriers sont revigorés, prêts à affronter... Allez, un petit coup d'eau derrière les oreilles, une toilette rapide, hein, comme l'énergie, l'eau est précieuse en refuge. Enfin. Bon, il est temps de quitter ce lieu magique. Exemplaire jusqu'au bout, Vincent emporte avec lui ses déchets. Imaginez si la gardienne avait à redescendre les poubelles de tous les visiteurs.